on a suffisamment de recul sur ce vaccin, si vraiment on veut voir notre pays redémarrer, si vraiment on veut se sortir de cette affaire, si vraiment on veut plus voir les hôpitaux mis en situation difficile à l'humanité, il faut poser cette question et peut-être aller. Je crois qu'une personne vaccinée qui pense qu'elle ne peut pas transmettre le virus lorsqu'elle rend visite à ses proches ou à une personne âgée ou immunodépressive, je crois que cette personne vaccinée a le droit de savoir qu'elle peut transmettre le virus et qu'elle doit se protéger et protéger les autres. Les personnes plus âgées sont beaucoup mieux vaccinées. Plus de cas positifs, plus de cas contacts. De plus en plus de gens qui ont des symptômes quand ils ne sont pas vaccinés, les gens qu'on peut hospitaliser quand ils ne sont pas vaccinés. Ce qui est frappant, c'est que les gens vaccinés ne développent pas de symptômes graves, on ne les voit pas dans les hôpitaux, on ne les voit pas en réa. Il y a noirci des manifestations d'hier. À Montpellier, en marche du cortège, un pharmacien en train d'effectuer des tests conspués. Puis sa tente de dépistage est saccagée. Et le risque, vous l'avez très bien dit, c'est que ça s'étend demain à toute autre chose. Et je crois que ça crée une société de la surveillance généralisée et de la méfiance. Et pour faire face à l'économie, la méfiance pour l'économie, c'est pas bon du tout. Simplement pour éclaircir mon propos, il nous semble qu'en réalité, le véritable problème derrière ça, ce n'est pas l'exception en tant qu'elle. Une exception peut en effet être créée dans une situation. Témoigne à visage caché. Je le comprends très bien puisque au quotidien, on voit les gens qui nous ont entendu de tester et on a l'impression presque que nous sommes un oppresseur pour une partie de la population. Ils nous disent effectivement beaucoup plus contagieux. Depuis le début, vous savez qu'on disait qu'il ne se passe rien à l'extérieur, il n'y a pas de cluster à l'extérieur, on n'en connaît pas, on n'a pas d'image, on n'a pas comme ça d'exemple. Qu'a-t-on fait depuis 1993 pour rester ou essayer de se rapprocher des critères? Nous avons fait des réformes de retraite, maladie dure 93 et ainsi de suite. On a fait l'ONDAM en 95 qui est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. On a fait la tarification à l'acte avec Jean Castex à l'origine de tout ça. Effectivement, nous avons une formation. Des fois, effectivement, quand on fait ces tests, on a l'impression effectivement d'être dans un amalgame où on confond tout. C'est là la problématique en fait. Comment vous gérez? Alors, on est déjà fatigué, il faut le préciser, avec cette pandémie. On fait du mieux qu'on peut, on répond pour que le pass sanitaire soit disponible pour tout le monde. Donc on gère sans discuter, puisqu'en fait c'est pas notre travail finalement. Les gens le veulent pas, s'ils sont contre, on voit clairement qu'il y a une guerre politique sanitaire. On ferme des secteurs hôteliers tous en France, parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers pour tenir des lits ouverts. C'est une certitude. Voilà. Donc il y a un problème à la base aussi de recrutement. Pas seulement dans les bâtiments. Alors il y a un problème de recrutement, il y a un problème de durée. La durée de vie d'un infirmier en France est une dizaine d'années. Globalement, au bout d'une dizaine d'années, les infirmiers, mes brunes en parlaient très bien d'ailleurs, ils n'ont peut-être pas de progression professionnelle, progression salariale suffisante, de reconnaissance. Ils changent de carrière. Ils changent de carrière, ils arrêtent de soigner au cœur du patient et on perd tous les ans, effectivement, des infirmiers qui ont une qualité de soins, une valeur en termes de compétences critiques qui est énorme. Voilà. Il faut poser la question, effectivement, comment faire pour maintenir les soignants en soins. Et ça, on voit bien, hein, la troisième vague a beaucoup fatigué et là, il y a des démissions d'infirmiers qui partent faire autre chose, qui partent carrément faire autre chose parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. C'est là la problématique en fait. Comment vous gérez? Alors, on est déjà fatigué, il faut le préciser, avec cette pandémie. On fait du mieux qu'on peut. Mais la pression hospitalière liée à la Covid-19 n'est pas encore aussi intense que dans les agglomérations notamment.
traité de collabo, de facho et d'assassin, c'est difficile d'avaler ça, quoi. Une image qui témoigne d'une fracture grandissante entre opposants au pass sanitaire et autorités scientifiques.